Bonsoir, je me présente. Je suis Patrick Latique. J'ai ouï dire que pour les hommes, nous vous sommes antipathiques. Aussi suis-je ici pour vous parler de la vie des tiques. Elle n'a rien d'artistique, encore moins d'érotique. Mais ceux qui nous critiquent ne savent pas qu'elle est acrobatique. Il faut être athlétique pour grimper en haut d'une tige ou d'un arbre mégalithique et rester ainsi statique en attendant patiemment la prochaine victime sur pattes. Quelque chose avec du sang, ne dites pas que ça vous épate. Mais les serpents, non merci. Nous buvons le sang chaud accompagné d'une feuille de menthe quand nous avons ce qu'il faut. Un cerf magnifique avec des bois d'un mètre. Un homme névrotique au mieux, un garde champêtre. Nous voulons du frais, pas de toc ni de plastique. Des aliments non traités pour un régime macrobiotique. Nous sommes les tiques, destinés sur la terre à régner notre tactique. Vous faire tomber dans un guépier, si vous avez le cafard. Rien qu'à l'idée de savoir que nous serons vos gendarmes. Réellement cela nous touche. En attendant nous préparons une attaque qui fera mouche. La particularité anecdotique est que les tiques peuvent rester ainsi statiques pendant près de 17 ans. Mais ce ne sont pas des années sabbatiques et je milite contre tous ceux qui jugent que les tiques n'ont que la vie qu'ils méritent. Car les statistiques montrent de manière catégorique qu'à présent, chez les tiques, seuls 12% malheureusement se nourrissent de manière diététique et bénéfique. Un sang pas trop gras, ni trop énergétique, de nos jours se fait trop rare. C'en est dramatique. Ce diagnostic, plutôt pathétique, nous rappelle de vous informer de manière empirique que les antibiotiques, c'est pas automatique. Aussi, amis humanoïdes, ayez un corps sain. Allez courir, suivez le guide au milieu des sapins. Nous préférons en effet nous délecter d'un corps athlétique et avoir une santé à toute épreuve, notamment celle des anti-moustiques. Nous sommes les tiques, destinés sur la terre à régner notre tactique. Vous faire tomber dans un guépier, si vous avez le cafard. Rien qu'à l'idée de savoir que nous serons vos gendarmes. Appelez des renforts, en attendant nos mandibules crescendo rifort. Après ce communiqué du ministère de la Santé publique, laissez-moi vous parler de ma copine Véronique. Mais si voyons la mythique Véronique, même si son prénom est ma foi fort sympathique, Véronique souffre d'une déformation caractéristique. Elle est mythique mi-moustique. En termes esthétiques, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment attirante. Autant être un pou et devoir pondre des lentes. Niveau cosmétique, elle tente les produits toxiques. Elle a déjà vidé tout le stock de la boutique. Mais rien à faire, c'est un vrai calvaire. Véronique est destinée à rester dans sa galère. Mais si je vous en parle, c'est seulement pour vous distraire. Occuper l'ennemi est un principe qui nous est cher. Une tactique adéquate pour concocter l'attaque des tiques. Le nombre des ombres de nos sœurs patriotiques écrasera vos soldats, telle une abomination. Préparez-vous ni plus ni moins à la révolution. Nous sommes les tiques, destinés sur la terre à régner.